This is how they used to lay their cables. Look at that, eh? Oh my God. Est-ce que c'est du vrai sable? Oh, regarde! Non, on bourrait ça d'autres choses. C'est écrit en allemand. John, it's in German. Look at that. It's German. Wow. Colonel Elroy. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Colonel Flo Elroy Ford. Viens pas rendre le décor. Regarde, regarde le décor, c'est la forêt. Ça, ça s'appelle les services forestières. Services forestiers? Pourquoi est-ce qu'ils ont écrit forestières? Non, ils se sont trompés. Hey, Louise! Louise, est-ce que ça va faire comme dans le musée, le film, que durant la nuit, tout bouge? En 1922. Ah, Louise, viens voir, ils ont fait une erreur. Service forestier, service. Le service forestière. Ils se sont trompés. Ben ouais. Service forestier. Ils n'osent même pas y toucher, j'ai l'impression qu'il va se tourner vers nous, sa main va voler quelque part. Ben, j'ai peur. Qu'à faire un test, il apporte une mouche, puis si ça l'acharne. Regarde le monsieur. L'Ordre du Canada. Mais c'est quoi son nom? Ah, le colonel Arthur James Edward Child. Ah, c'est lui? Oui, ben oui, c'est lui. Là, on voit bien c'est lui. Hein. Ça n'arrête pas d'en parler en français, en anglais. Ah, c'est lui! Donc, c'est lui qui a créé le musée. C'est un beau musée, ça, Louise. Un beau, beau musée avec des petits bonhommes. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a, Anne? Waouh, Louise, il a pas le manteau de fourrure! Edmonton Canada, original Poc Marc. Oh, que c'est drôle. Royal Canadian Corps of Signals. Oui, mais en France, il y a un dessin de circuit comme là qui est fait. Ah oui, oui. Regardez, on va prendre le dessin des circuits. Oh, il y a même un film. Ah. Hey, c'est peut-être Louise en 1926 puis tout ça, ce film-là. Ben oui, hein, c'est incroyable. Parce que tout à l'heure, j'ai vu justement, il y avait des... Ça. Louise, est-ce que la formule mathématique est bonne? Oui. Ça va fonctionner, ça? Oui. D'accord. Wow! Early 20th century Canadian Forces Communication Classroom, Louise. Wow! Oh my God! Oh, que c'est beau ce musée-là, hein? Very nice, Anne-Chan. Tiens, Anne, Louise, Anne, elle s'est trouvée une nouvelle... une job. C'est quoi? Hein? Moi, on dit que c'est drôle. Je prends ça en photo, c'est trop drôle. Oui, c'est drôle. On chante pas une vidéo. And present by Mr. Ballon, c'est un gift to the community. To operate, click on the internet. Ben, il était fermé, ils ne l'ont pas laissé ouvert. On va mettre cancel. Ah, contrôle de vitesse, c'est un vieil ordinateur, ça. Ça fonctionne quand même. Non, ça prend le mot de passe. Ah, regarde, les mocs-là. Ça doit être... les mocassins. Very nice. Lots of details. Lots of details. C'est very nice. Anteroom. Louise, viens voir la anteroom. From the 1930s. C'est ce qu'ils portaient dans le temps. Wow! Mon Dieu! On dirait qu'on est dans un film sponsored by... On dirait qu'on est dans un musée de cire. Regarde qu'est-ce qui est marqué. Surprise, claire, into the city. Please dedans, hein. Je suis à côté là. Ils se plaignent tout. C'est pour enlever la poussière. Je ne vais pas trop prendre le monde en vidéo. Ah, Louis, c'est quoi? On va peut-être avoir notre explication. Bon, il faut trouver ça, l'explication là. Velox Versutus Vigilans. Moi, je dis que ça, je crois que ça veut dire la vélocité, la vertu et puis les vigilants. Il faut absolument qu'on trouve avant d'avoir quitté l'endroit. Wow, un beau musée. Hein? Wow, c'est fun. Qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas moi. Tu vas aller aux toilettes là? Ah, ben, en as-tu besoin? Elle va passer l'après-midi à l'autre toilette. Un beau musée, c'est pas un petit musée. Ben, écoute là, tu me dis que c'est un petit musée. Ben non, c'est pas moi qui dis ça, c'est Louise. C'est moi qui avais dit ça. C'est Louise, ah, ça prend pas, je viens ici, moi. Quand les bas, c'est le fun. Oh my God! John! Oh my God, come and see that! Oh! Oh. Ben non, c'était pas là, ça, quand on était venu. Tu sais, ça m'a donné. C'est mon nouveau char. Mon Dieu! Moi, je suis assise là-dessus. Oh my God! Oui, mais je sais pas si on peut y aller, Anne. Mais non, le Luton, il est donc bien gros. Luton, tu es grossement, les autres, pour moi. Elle, la roue du secours, elle est là. Je vais essayer ton. Ah, c'est 1943. C'est 1943. Oh, bon. Oui, ça, moi, je connais Louise. Anne, laisse la faire. Louise, elle va le toucher puis elle va l'ouvrir. Oh my God! C'est un Chevrolet. C'est Chevrolet. Chevrolet, ouais. My God, là, ben, on a même les moteurs. Ah, ils nous révèlent des choses, des secrets défense, Anne. Des secrets défense. Mon Dieu, il y a même un canon. Oh my God! Oh my good Lord! On peut aller en haut! Oh non, c'est pas haut. Il y aller quand même. Wow! Je pensais même pas que ça existait une patente de même, moi. J'avais jamais vu ça. Quand elle est boire. Ça se peut-tu? Segment de chenille. Ben, ils sont peut-être pas intéressés par ce qu'il faut. Ah, il y a même un chien empaillé. Comment ça, un chien empaillé? Cambodge. Au Cambodge. Ben oui, les Canadiens sont allés au Cambodge. Ah! C'est gigantesque. Hey John, come and see your new dog. Come and see your new dog. Ah, c'est un chien canadien, regarde le petit drapeau canadien. Scannez ici pour en savoir plus sur Digger. Il s'appelle Digger. D'autres, on a un qui s'appelle Tripod. Oh, I think you know what? No. It did smell if there was any personnel bomb underneath the. C'est ça que c'est-tu écrit ici? Je le cherche. You and Flash. Scan here. Oui, mais moi, je ne peux pas scanner, je n'ai pas de téléphone, moi. Ça vient des Golden Heights qui ont été fermés, en tout cas. Cyprus, Congo, Chypre, Middle East, Moyen-Orient. Wow! Oh, regarde le chapeau! UN. Blue Helmet. Canadian War Museum. Loan from the Canadian War Museum. Casque bleu près du musée canadien de la guerre. Un casque bleu. Wow! Eh hey, ben ça se peut. Gaza Strip. Bande de Gaza. L'affaire est allée là. courageux, hein. Ah, ils sont dans les champs. Ça, ça doit être la guerre du Vietnam, je te gâche. Ça, c'est quoi, ça? Coréen Noir. Oh my God. La guerre de Corée. Je suis très émue, moi, par la Coréen Noir. Est-ce que j'y vais à Washington? T'as amusé là-dessus? Non, j'ai vu dehors, mais en fait, une gigantesque sculpture. Mais en fait, c'est toutes des bonhommes, c'est à peu près grand comme un grand rectangle. Là, en tout cas, je dirais en train de mourir. Non, c'est tous des soldats. Ils se tiennent debout avec leur arme, puis ils ont très peur. Ils ont même, ils sont sur le qui-vive, qui marchent. Tout le monde marche, mais ils ont fait plus grand un peu les corps. Les ça, c'est impressionnant. Puis, oui, c'est impressionnant, c'est le regard. Leur regard. En tout cas, c'est à Washington. Ben, c'est sûr et certain. RMEME. Ah, oh my God. Is that the one you walked on during the summer? No. I had. There was something that we did have. Something similar to that. Yeah, it looked like that. Ah, il y a encore une petite patente pour vous. C'est quoi ça, hein? Ouais, la machine comme l'autre machine. Ah, elle n'a pas un ordinateur à côté. Ah, il est comme les autres. C'est Marc nous dit. Wow. Wouldn't want to get shot in the head with that thing, hein? Wow, what's that, John? Wow! Small arms training, machine and practice. Ah, regarde, Louise est en train de tomber ou bien il récupère. Ah, non, il récupère. Oh, Seigneur. Oh. Ça pèse des tonnes et des tonnes, ces affaires-là. Louise, viens voir en détail. Viens voir le détail. Il en manque plusieurs. En ce temps-là, tout le temps, à la guerre, il y a une dent qui te fait trop mal. On va te l'arracher. Ah, ben oui, ben oui. Regarde ici. Munster, Amsterdam. Regarde, oui, Dunkirk. Battle of France, la bataille de France. Ah, regarde, on monte toutes les autos, là. Oh my God! Oh, Abandoned British lorries on the beach of Dunkirk. Ah, oh, il y a un nouveau film, c'est Dunkirk, Paris-France, qui ont sorti. C'est pas un film en 3D, ça? Je pense que oui. Le Havre. Même, c'est plus que 3D, c'est en... Calais. Tu sais, le gros film, là, c'est pas du 3D, c'est en tout cas super 4D. Spécial. En 4D. Tire maintenance, ordnance, mounting. La Seconde Guerre mondiale. Blitzkrieg. On va penser, Louise, à la bière Creek. La guerre du mouvement et de la mécanique. World War II, Blitzkrieg. War Movement. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette photo-là, Louise? Les ateliers mobiles. Mobile units. Ah, ils répartent en même temps, eux autres, il faut continuer à shooter car l'avion arrive sur eux autres. Ah, je te dis, c'est pas drôle. Ça c'est du camping forcé, hein? C'est du camping forcé. T'es pas volontaire, pratiquement, c'est... Première Guerre mondiale. Le Canada s'en va en guerre. Ouais. Gaiement. World War One. Canada goes to war. Ouais. Où ça? Ah, j'avais même pas vu. Ah, il y a plein de véhicules en arrière. Tiens, je vais me refaire une autre vidéo parce que là.